Hey, t'es bon, tout le monde, bienvenue au show des pros. Laissez-moi dire les vraies affaires. Alors, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Alors, nous sommes live du 3055 Boulevard Amel, c'est quand le local 54, le gym Olympe, le seul vrai gym de la région de Québec. Et je vous en reparlerai plus vers la fin de la capsule. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Oui, je peux vous garantir que j'ai construit, j'ai bâti et j'ai fondé une institution qui, je crois, va perdurer dans le temps et qui ne s'arrêtera pas à quatre murs, parce que le concept de gym Olympe n'est pas seulement quatre murs. Hein, c'est beaucoup plus que ça. Alors, tout simplement, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, je vais vous introduire à une capsule. J'avais déjà parlé de ça un peu avec Ben Lapierre, puis j'ai moi-même fait un test parce que là, bon, c'est bien personnel ce que je vais vous dire, là. Moi, j'ai une chirurgie qui s'en vient le 19 de mai. Je me fais faire une abdominoplastie parce que j'ai trois hernies ombilicales, puis j'ai une diastase à l'abdomen. Donc, il faut qu'ils me refassent tout ça si je veux me repointer en avant. De toute manière, quand je me regarde, je suis à manger comme un Père Noël, puis j'aime pas ça. Donc, ça me tente pas de rester comme ça. Tu sais, je me suis pas entraîné, ça fait... Tu sais, alors, j'ai commencé à 18, 28, 38, 48. J'ai eu 51 la semaine passée. Fait que 48, 49, ça fait... J'ai fait 33 ans d'entraînement. Je commence ma 34e année. Donc, ouais, effectivement, oui, après... Ouais, c'était un bon bout de pareil, hein, quand même. Donc, on s'en est partagé des poids dans toute cette... dynamique-là, effectivement, pendant plusieurs années. Je suis capable de vous concéder ça. Alors, je vous dirais, ce qui va être bien important d'identifier cette semaine, c'est ce que je vais vous parler, ce que je vais vous proposer. C'est un cycle qu'on appelle un cycle de stéroïdes multipharmacologiques. Évidemment, j'aurais pu rajouter peut-être encore quelques éléments, personnellement, mais je vous dirais que c'est parce que j'ai fait un cycle de 8 semaines avant mon opération. Et là, je suis carrément 4 semaines arrêté avant l'opération. Faut pas qu'il y ait absolument rien dans le corps. C'est très important. Même, je vous dirais, une semaine avant, là, tout ce qui est multivitamine, arginine, citrulline, il faut pas, pour pas qu'il y ait trop de saignements, etc. Anyway. Ça, c'est les recommandations de mon chirurgien, M. Borduc lui-même. Alors, du moins, pour cette semaine, c'est très simple. On va commencer par les formalités administratives. Alors, toujours le même principe, j'ai différentes personnes avec qui je travaille. Alors, j'ai fait du supplément avec David Tremblay, avec le beau David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, le fantastique David Tremblay, l'incroyable et le sidéral David Tremblay qui, à côté de Darth Vader a l'air pas fort. Hein? Bon, voilà. Alors, David et son frère Nico qui ont une super shop à Charny. Alors, s'il y en a qui le connaissent pas encore, ben excusez-moi, je vais être bien direct avec vous. Wake up la truite. Hein? Eux autres, ils sont situés directement au 8035. Un instant, bougez pas. Je vais mettre mes lunettes parce qu'avec les années, on en a perdu un peu. Alors, fille du supplément, regardez comme il faut en arrière de moi. Fille du supplément, c'est marqué dans le bandeau ici en bas. Fille du supplément au 8035 Avenue de l'Église à Lévis. Alors, le 988-3255, 988-3255 dans le 418 pour les rejoindre. Écoutez, si vous me dites que vous êtes pas directement de Lévis, parce que moi, personnellement, je considère que dans la ville de Québec, dans tous les fournisseurs de suppléments, il n'y en a pas 5000 qui sont intéressants, là. Donc, il y en a qui me disent, ouais, mais là, tu traverses le pont. Hey, tu traverses le pont. Moi, je suis mon gymnase sur le boulevard Amel. Tu pars du boulevard Amel, tu prends Henri IV, tu montes, tu seras sérieux, c'est 10 minutes. C'est une vraie joke. Là. Peu importe où ce que vous êtes, c'est très, 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 très rapide. OK? Donc, je pense que ça vaut la peine de traverser le pont pour aller voir David, jaser avec, regarder avec lui des alternatives, des prix, parce qu'aujourd'hui, les suppléments sont rendus hors de prix. Hein? Ça va avec tout le reste du délire qu'on est en train de vous rentrer au travers du cul. Non, de rire de vous autres, tout simplement, en vous faisant croire que c'est la rareté à cause du COVID. Là. T'sais, d'ailleurs, pour ceux qui croient encore à ça, le COVID, excusez-moi, mais je vais vous faire un ultime performance. Blackout! OK? Vous avez rien compris de ce qui est en train de se passer. De toute manière, évidemment, chers auditeurs, oh, show du pro, les gens qui écoutent le show, eux autres sont éveillés. Le problème, c'est que c'est le 90% qui est encore zombifié, qui devrait regarder le show. Parce qu'eux autres, ils l'ont pas compris. Eux autres, pour eux autres, Joe Biden fait une bonne job. Trudeau, il travaille super bien. François Legault est fantastique. Puis Donald Trump veut la guerre sur la Terre, là. T'sais, il y en a du monde, ils sont complètement, complètement déconnectés. OK? T'sais, j'ai encore des gens ici dans la construction au Québec qui pensent qu'ils vont faire une bonne année. Puis l'année prochaine, ils pensent que l'économie va monter puis ça s'améliore. Là. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Tout ferme à tour de bras ici. Le Québec ne se relèvera probablement jamais de ce qui est en train de se produire. Faut que vous en sachiez, faut vraiment que vous soyez conscients de ça. OK? Donc, du moins, tout ça pour vous dire que si vous voulez avoir des bons prix, puis avoir des bons deals, puis magasiner comme il faut, puis arrêter de payer comme un clown, ben, fille du supplément, ça peut être super intéressant. Sinon, si vous n'êtes pas directement d'ici et vous êtes en Europe, ça peut être intéressant aussi de travailler. J'ai deux bons contacts. J'ai Frank Allegra de chez Westside at westside.nutrition@gmail.com. westside.nutrition@gmail.com. C'est marqué en bas directement sur mon bandeau. Alors, c'est au 1 place Boutou. Alors, c'est 1 place Boutou. Mais moi, je dis Boutou. 1 place Boutou, je trouve que ça fait plus galactique un peu. J'aime bien ça. Arrgh!
Hey, c'est Yoda qui parle à Chewbacca. Salut, man. Alors, salut, Frank, puis salut, salut Julien. Je sais que vous autres, vous devez passer par des bouts qui sont très, très, très mordants et très difficiles de ce temps-ci. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, puis lâchez pas, puis bon courage. C'est très, très, très difficile pour tout le monde. Ensuite de ça, je vous dirais, c'est aussi ici dans le département 05 des Hautes-Alpes. Puis, il y en a des fois que mes petites annonces au début, ils prennent du temps, mais ça, je m'en sacre un peu parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une capsule qui est très spéciale. Puis, je vous dirai plus tard pourquoi. Alors, sachez aussi que j'ai différentes personnes avec qui je travaille et que j'aime beaucoup. Entre autres, Yannick Giroux chez Electroto. Electroto, les pros de l'auto. Alors, pour tous vos problèmes de carburateur, bumper, radiateur, muffler, tailleur, flasheur, galipeur, de belle-sœur, d'amortisseur, de bushing, de power steering, de swing, de bearing, de toe wing, de tuning, de winking, de brake, de plaquette, de bobette, de hood, de pot, de transmission, de direction, de suspension, d'anti-rouille, de pot de couille, d'injecteur, de problèmes électriques, électroniques, de maladies chroniques, de refroidissement, d'échappement, de crise de fatigant, de turbo, de pompe à eau ou de femmes sans libido qui baissent jamais, même couchées sur le dos. Electroto. Electroto, les pros de l'auto. Alors, directement au 2485 Boulevard Amel, 2485 Boulevard Amel, Electroto. Electroto, les pros de l'auto. Vous êtes une personne qui voulait avoir plus de visibilité par rapport à tout ce qui est site web, tout ce qui est, mon Dieu, médias sociaux, etc. Vous pouvez contacter David Laroche chez Interweb Evolution. Interweb Evolution. Retenez ça, tout simplement. Et moi, j'ai un autre contact pour vous en supplémentation sportive en Europe. Ça se trouve à être, je vous dirais, en Isère, à la montagne, à Saint-Just-de-Clay. Il s'appelle, il est le boulanger des dieux, et c'est Patrice Covin qui fait des pains Godzilla. Alors, il est fantastique, merveilleux, et la fin de semaine, quand il s'adonne à son passe-temps préféré, il pollue la planète avec du carburant dans sa BMW à aller faire de la drift, et il s'amuse parce qu'il fait bien, parce que la Terre n'est pas en danger, et c'est important de garder une attitude optimiste et d'avoir du plaisir et de s'amuser, OK, et de pas se compter de menterie. C'est bien important. Alors, Patrice Covin chez AM Sport Nutrition. Patrice Covin chez AM Sport Nutrition au 81 rue des Ratafias. Ben oui. Ça se peut, ça, monsieur le régisseur. Là, ça arrive des fois, les autres, ils ont des noms qui sont différents des nôtres. Ben oui, c'est ça. Lui, c'est rue des Ratafias. C'est vous, vous habitez où? Vous voulez pas me le dire? Ben là, pas grave, là, personne va aller vous voir chez vous. Là. Qui a l'intérêt d'aller vous voir chez vous, là, hein, avec votre conjointe, avec des pattes rouges et velues, là. Hein, voilà, non, on n'a pas d'intérêt, là. Moi, de toute manière, la dernière fois que je l'ai vu, je peux vous dire une affaire, jamais je serais allé chez vous, même pas armé. Je veux dire, j'avais peur, carrément, là. OK, bon, alors, d'accord. Alors, 38-680 à Saint-Just-de-Clay, 36-680 à Saint-Just-de-Clay, c'est amsport38@gmail.com, amsport. S-P-O-R-T, amsport38@gmail.com. Alors, vous êtes capable de rejoindre Patrice à ce moment-là. J'ai un numéro de téléphone, je peux vous le donner. C'est le 06 16 22 47 66. Le 06 16 22 47 66. Ils sont fuckés, le numéro de téléphone. Eux autres, c'est pas comme ici. Hein. On dirait que c'est comme tout un morceau un peu. J'ai jamais compris un peu le principe. Whatever. Alors, en tout cas, du moins, je vous dirais, puis j'ai déjà des clients qui font affaire avec ce gars-là. Entre autres, j'ai Imaïba. Ima Ibra Dibo, qui est en Afrique de l'Ouest, à Bamako, au Mali, qui fait affaire avec lui, parce qu'il y a de la misère à avoir des suppléments, puis je l'ai plugué directement avec Patrice, et ça a l'air que ça fonctionne très bien. Alors, sachez tous les gens dans la francophonie, si vous êtes en Tunisie, au Maroc, en Algérie, alors dans toute l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, au Congo, etc., partout où est-ce que vous parlez francophone, c'est même à Dubaï. Si vous avez de la misère des fois à avoir des suppléments, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, AM Sport Nutrition 91 rue des Ratafias, c'est marqué en bas ici, rue des Ratafias tout simplement, 38-680 à Saint-Just-de-Clay, en Isère à la montagne. Alors vous appelez Patrice, le boulanger des dieux, et vous lui dites « Salut man, je veux des suppléments, si je t'écœurerais de courir après ça, fantastique ». Alors tout simplement, passez toujours sur notre site internet cette semaine. Je vous dirai à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne un paquet de nouveaux trainings, une nouvelle méthodologie un peu. Là. On va changer tout ça, on va vous mettre du neuf. Alors, allez magasiner sur le site. Ça vaut toujours la peine. On a des super bons trainings, des protocoles, etc. Continuez de me rejoindre pour ça, pour tout ce qui est protocole de sport, de performance, de santé. Il y a un gars, entre autres, de qui je m'occupe en ce moment. Bon, je n'aurai pas son nom, là, peu importe. Je dis, bon, hein, il s'appelle M. Lérite. On va le dire comme ça, tout simplement. J'ai monté un protocole de supplément de performance sportive et un protocole, tout simplement, aussi de performance, je vous dirais, rehaussé. On va le dire comme ça. Hein, c'est un très jeune powerlifter. C'est un gars qui a le feu dans les dents. Hein, il n'y a pas à dire. Là, t'sais, même quand j'y parle, on se parle souvent avec le Skype. Puis, je vous dirais...
Je pense que ma manière de travailler, elle est non seulement originale, mais elle est fonctionnelle. J'ai même un gars qui m'a donné des nouvelles cette semaine, un gars qui s'appelle Cole. Il m'a donné des nouvelles cette semaine parce que lui, il avait eu des problématiques suite à différentes prises de stéroïdes. Il n'y a pas un endocrinologue, puis il n'y a pas un médecin, puis il n'y a pas personne qui a été capable de le remettre sur la traque. Alors moi, j'avais un protocole de retour avec un nettoyage corporel et un dépurificateur sanguin sur 20 semaines que je lui ai fait faire. Ça, c'est mon Keller. OK, alors ça, j'y ai prescrit ça. Et monsieur est très content. Donc, je vous dirais, quand vous faites affaire avec Marc-Antoine Grondin, vous faites affaire avec un pro, vous faites affaire avec les pros, travaillez avec les pros, on show des pros, on travaille avec les vrais, parce qu'on a des vrais résultats avec des vraies réponses, et on fait pas ça à moitié. Si vous êtes pas prêt à vous investir, à travailler pour de vrai, à travailler avec les gens qui ne font que vous dire la vérité et qui ont à cœur votre santé, s'il vous plaît, ne regardez plus cette chaîne, quittez, allez vous enfuyer, OK? Allez travailler avec des pseudo là puis des amateurs là qui vont juste vous souffler comme des caves parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, puis vous allez vous regarder dans 5 ans, vous allez juste être boutonneux, tout crache, le nez plus gros avec les oreilles plus larges, puis vous banderez plus. C'est-à-dire, ouais, puis ça, je vous parle pas si vous êtes une femme, qu'est-ce qui va arriver, là. Tu sais, quand vous allez avoir un capuchon ça de long, là. Tu sais, quand tu dis que juste quand tu se mets à vanter, tu te transformes en sprinkler à gazon, là, c'est parce que là, il y a tout un problème, OK? Tu sais, travaillez toujours avec des gens qui sont capables de vous amener de l'expertise, mais des solutions. C'est bien important. Quand il y a un problème, c'est pas quand ça va bien, si, là. C'est quand il y a un problème. Quand il y a un problème, ça prend des gens qui peuvent vous aider pour solutionner ce qu'on a. Okay. Donc, d'ailleurs, le prochain sujet, la prochaine capsule que je vais vous faire, j'ai quelqu'un qui m'a amené ce sujet-là. Je le trouvais très intéressant, d'ailleurs. C'est la réadaptation, la réhabilitation, la réadaptation post-chirurgie ou post-blessure ou post-accident. Je vais prendre, je vous dirais sensiblement ce qui est commun, là. Déchirure du CLA, rupture coiffe des rotateurs, ligament sacro-iliaque, ligament acromio-claviculaire. Déchirure au niveau des ligaments du sternum, rupture d'un des deux tendons au niveau des biceps, des entorses lombaires, des hernies. Donc, des choses qui sont vraiment communes, qu'on a déjà vues, qu'on a déjà identifiées. OK? Ça, on va faire ça. OK? On va regarder ensemble parce que souvent, j'ai beaucoup de questions là-dessus, puis il y a des gens, souvent, qui vont compromettre un projet d'entraînement. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Puis ils arrêtent parce que personne n'est capable de les aider ou bien de trouver des solutions. Oh, show du pro, Marc-Antoine Grondin est spécialisé là-dedans, puis il va vous donner un Christi de bon coup de main. Et ma job, c'est de faire en sorte que vous reveniez sur la traque et en santé. OK? Soit dit en passant, je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonne chance à tous les Européens dans la francophonie, même, je vous dirais, jusqu'en Europe de l'Est, jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Afrique tout court. Tous les gens où est-ce que ça parle français, entre autres, j'avais encore un client hier à qui je parlais à Bangkok, en Thaïlande, où lui m'expliquait que en Thaïlande, à Bangkok, là, tout ce délire-là, là, ça n'existe pas. J'ai un de mes chums qui habite à Playa del Carmen, au Mexique. Ouais, au Mexique, ça n'existe pas. Vous avez pas ça. T'sais, il n'y a que dans certains grands pays industrialisés au monde, Canada, États-Unis, Angleterre, France, Europe, là, c'est là que ça se passe. Les autres pays dans le monde, il n'y a pas de délire. Tu en parles peut-être au Brésil, mais ça, au Brésil, c'est une autre histoire. Là, ça, Lula, lui, c'est un voleur. Là, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Là. Mais du moins, en tout cas, une chose, c'est sûr, c'est qu'on va avoir beaucoup de matériel nouveau sur le site. Alors, je vous incite tout simplement à aller magasiner, à le regarder. Faites des signaux pour se lever, communiquer, partager. Écoutez, ça fait au-delà de 12 ans que je fais ça. Je sais peut-être que mon langage et mon niveau de langage n'est pas toujours celui-là des Européens et que j'ai pas un français qui est dictatoriel autant et aussi bien compris et incisif et précis et chirurgical que la majeure partie des Européens aimeraient que je le sois. Mais je suis une personne, je suis un francophone de Québec et mon français et le français que j'ai, c'est un français d'épais colonisé. Hein? Alors, on est comme ça, tout simplement. Alors, du moins, j'essaie toujours de le faire au mieux pour vous aider à vous éduquer pédagogiquement et à vous aider. Alors, si vous aimez le show, partagez-le. Très important. Voire même, des fois, s'il y en a qui sont prêts à donner, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qui n'a pas été compris du tout. C'est la raison pour laquelle, maintenant, le son est relativement très bon, l'image est relativement très bonne. Je vous le dis, dans la prochaine année, on s'enligne là-dedans. On va aller sur Patreon parce que je veux faire quelque chose à part. Je vais vous expliquer à la fin de la capsule pourquoi. OK? Alors, tout simplement, nous autres, pour nous rejoindre, c'est toujours le même principe. OK? Vous pouvez aller directement sur mon site Internet, www.marcantonegrondin.com. C'est assez simple, ça, hein? www.marcantonegrondin.com. C'est assez facile. Puis ensuite de ça, bien, vous êtes capable de me rejoindre aussi, je vous dirais, par le courriel au info@marcantonegrondin.com. C'est assez facile, ça, c'est bon, ça. Tu sais, moi, je suis un gars, je suis pas un gars d'informatique, j'aime pas ça. info@marcantonegrondin.com. OK? Ou directement au club. Vous pouvez m'appeler au Jim Olin pour 418-204-8246, le 204-8246. Faites-le 1 à l'extérieur de la région médiatique de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous aimez apprendre des plus instruits car ce qui vous motive vous construit. Et voilà.
Donc, cette semaine, ce que je vais faire, je vais vous entretenir sur un cycle qu'on appelle un cycle de stéroïdes multipharmacologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie comme culturiste depuis l'âge de 25-27 ans. J'ai essayé différentes nomenclatures avec différents produits. Entre autres, une méthode que j'aime bien, qui est barbare un petit peu, mais qui est très bonne, c'est le fameux front load avec le sutanon. Un sutanon par jour pendant 10 jours, et après ça, on se donne une dose de maintien à un sutanon par semaine. Ça, si vous ne l'avez jamais essayé, faites le test. Ça, là, vous allez voir que si vous voulez vous sentir décapé, vous ne créerez même pas à ça. Ça, ça fait tout un job. Ensuite, j'avais déjà parlé de ça avec Ben Lapierre. On parlait des multipharmacologiques qu'on trouvait super intéressants. Moi, je trouvais que c'était très bien. Je n'avais jamais fait de test comme tel parce que je suis un gars qui est assez conservateur. Puis des fois, je me disais, ben si le produit, il n'y a pas assez de présence dans le corps, pas assez de milligrammes, c'est-tu intéressant, est-ce que ça ne l'est pas? Bon, et alors, j'ai fait un test. Hein, ça prend bien quelqu'un pour tester parce que les autres, ils veulent pas le tester. Hein, ça prend quelqu'un pour le faire. Alors, moi, je le fais. Alors, au show du pro, Marc-Antoine Grosvenet est toujours très willing comme entraîneur, coach et comme athlète, culturiste, pour être capable de faire des essais. Alors, j'ai fait un essai pour vous et j'ai bâti un cycle de stéroïdes. Mon Dieu, excusez-moi, je suis désolé. J'ai monté un cycle de stéroïdes multipharmacologiques avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'aurais même pu rajouter, je vous dirais, un 11e produit qui est le GH. Je n'étais pas encore rendu là parce que je m'en vais me faire opérer. Donc, je vous dirais, je voulais pas commencer un cycle de GH. C'était un minimum de 3 mois, là. Tu peux dire quoi? Ben, je me fais opérer dans 3 semaines et demie, là. Bon, on commencera pas ça là. Puis le temps qu'on récupère, etc. C'est une opération qui va m'amener, je vous dirais, je me fais opérer le 19 de mai. Donc, c'est sûr que je m'entraîne pas avant le 19 de juin. OK, j'ai carrément 4 semaines où est-ce que je dois m'arrêter complètement. Alors, ça me donnera le temps, justement, de me retrouver avec moi-même, me reposer, faire mes affaires, me guérir, en avoir besoin. Puis, je vous dirais qu'en 34 ans, j'ai jamais arrêté de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais arrêté. Salut, Manu. Je n'ai jamais arrêté. Donc, ce ne sera pas un mal, des fois, de prendre un petit break. Hein, ça va juste être correct. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? T'es en forme, Manu? Yes, yes. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors... je vous nomme les produits avec lesquels j'ai travaillé. OK. J'ai travaillé avec le test 400. Premièrement, on n'a pas tous la même définition de ce que c'est qu'un test 400. Le test 400 avec lequel nous autres, on travaille, on a de la cypionate, de la propionate, de l'énantate et on a un blend de sutanon à l'intérieur. Ces quatre-là sont basés à 100 mg chacun. OK. Très intéressant. Comme le sutanon, on se trouve à avoir de l'hexaïonate, de la phénylpropionate, du décanoate puis de l'énantate. OK, donc, je vous dirais ça, quand tu te mets à regarder tout ça, tu fais « Ouais, OK, c'est assez complet. » Fait qu'en frais de testostérone, le testo 400, là, il vous donne du jeu, là. Là, vous avez à peu près tous les testos possibles. OK, donc ça, déjà là, je le trouve intéressant. Ensuite de ça, j'ai fait un petit produit qui s'appelle le Insanity. Tu sais, je sais que les Européens, vous aimez bien ça, vous autres, les petits produits composites mélangés, là. Mais celui-là, moi, je le trouve très intéressant parce que c'est 100 mg de blend sutanon à l'intérieur avec 50 mg de nandrolone et 50 mg de drostanolone. Masteron. Le nandrolone déca du rabolin. OK, bon. Je suis pas un gros fan de déca du rabolin. Moi, personnellement, il y en a eux autres, ça le gèle les joints, là, la cortisone, ça enlève la douleur. Moi, c'est pas ça que ça fait. Moi, ça me fait grincer les joints. C'est assez innocent. Ah, mais c'est vrai, pareil. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, quand j'ai une blessure, je me sers de ce pantoute. Hey, moi, je prends jamais ça. J'avais fait ça une fois avec Roberto Sabatini en 2005. On avait du déca du rabolin, je vous dirais, du nandrolone pharmaceutique. Sortait directement de l'hôpital pour les grands brûlés. C'était fantastique. Je capote pas sur ce produit-là. C'est pas mon meilleur. J'aime pas le haut dosage. Tu sais, il y en a des épais, là. Ah, tu peux doser à 1 gramme. Ben oui, 1 gramme. Puis après ça, là, ben là t'as ton gramme et ta terre. C'est en plein ça, c'est pas bon, là. Puis là, madame est pas contente parce que là, tout ce que tu peux faire, là, c'est à tremper dans l'eau chaude. Hein, tu comprends-tu? Il se passe plus rien. Tu sais, si vous êtes un homme, vous êtes masculin, masculin attire ce qui est féminin. Féminin aime les pénis. Ah non, on va se le dire, là, une femme qui est féminine, elle aime les pénis. Hein, puis un gars qui aime les femmes féminines, il aime les fentes. Bon, OK, parfait. Alors, si dans les deux cas, vous vous entendez bien là-dessus, vous aimez avoir un pénis en santé pour avoir une femme qui est souriante. Hein, c'est super important. Parce qu'une femme qui sourit pas, hein, on dit toujours, il y a toujours le même adage dans la vie, « Happy wife, happy life ». Hein, si votre femme n'est pas heureuse, elle n'est pas comblée, elle devient frustrée. Hein, fait qu'à un moment donné, elle vous tape ses nerfs, elle vous pogne dans le coin. Pourquoi? Parce que là, il traîne une fourchette dans les vies et elle m'énerve.
Ah, OK, c'est en plein ça. OK, t'as encore laissé traîner tes hosties de pantoufles sur le coin, mais c'est pas grave, ils sont dans l'armoire, la porte fermée. Vous voyez le genre, là? Alors, si vous en voulez pas de problème d'envie, courez-en pas. Tu sais, je pense que la vie est déjà assez dure de même, de toute manière, on les multipliera pas. Hein? Ensuite de ça, je vous dirais, alors ça, c'est un petit produit composite, j'ai bien aimé. Bon, moi, j'ai mis de l'arimidex. Écoutez, moi, je travaille avec ça, j'aime bien ça. Il y en a qui vont travailler avec, écoutez, parce que on est capable de travailler avec l'anastrozole, avec le tamoxifen citrate, on est capable de travailler avec l'hexaméthane, on est capable de travailler avec le letrozole. Bon, il y en a pour tous les goûts, là, OK? Moi, je vous dirais personnellement, OK, l'anastrozole, j'aime bien travailler avec, je trouve qu'il fait un bel job. Mais moi, je suis un gars qui aromatise pas. Hein, je suis déjà monté à 1,5 g de test par semaine et je n'aromatise pas. Même en TRT, en ce moment, moi, je suis suivi par un endocrinologue, j'ai 400 mg par semaine de sustanon, de sustanon, de testostérone énantate. Salut, Alex! Yes. De testostérone énantate, du délatestril, à 400 mg par semaine, là, les tétons grattent pas, là, il se passe rien, là. Je fais même pas de gynécomastie, je flotte pas, au contraire, je deviens plus sec. Puis mon taux d'ostrogène dans mon corps, il est pas élevé, il est relativement assez bas, il est pas bas critique, il est même pas haut. Donc, moi, ça marche pas sur moi. Ça ne débalance pas ça. Alors, je suis un excellent sujet pour prendre des stéroïdes parce que mon corps l'accepte très bien. Mon corps est une machine qui est pensée pour accepter ça. Il est fait comme ça. J'ai pas choisi ça. Alors, c'est un bon addon, oui. D'un autre côté, des fois, ça a les avantages et ses inconvénients. Mais j'en ai mis pareil des fois au cas où. Puis, je vais être franc avec vous, je m'en suis pas vraiment servi. Moi, tu sais, je sens pas ça. Fait que, tu sais, même, je peux l'avoir en prescription pharmaceutique, là. Tu sais, mon endocrinologue, il dit, regarde, il dit, on peut prescrire ce que ça prend, là. Je n'ai pas de besoin. J'en ai pas de besoin. Bon. Fait que j'en veux pas. Hein, bon, tout simplement. OK. Ensuite de ça, le HCG. Oui, le HCG, très important. J'ai parlé avec un gars encore cette semaine qui se fait suivre par une espèce de clown, là, qui s'affiche sur Internet. Je vous dirai pas son nom. Tu sais, c'est un gars là qui est important là, c'est que quand on est dans le gym, là, faut looker good. Ouais, on part là. Avec son capuchon sur la tête puis ses grosses lunettes Robert Bourassa épaisse de même là. Ouais, c'est Chris, c'est pas compliqué, il a l'air d'une porte-patio avec une mouche étampée dedans. Mais c'est pas dur, hein, fait qu'à partir de là, si vous le reconnaissez, ce sera votre truc. Donc, du moins, le gars se fait faire un cycle, alors il prend de l'énantate avec du bol d'énone. J'ai pas de trouble avec ça. Mais le gars, après 15 semaines, ça va pas en championnat, là. Le gars, après 15 semaines, non seulement le gars prend une anti-aromatase le soir avant de partir se coucher. Alors lui, il va travailler avec l'hexaméthane. Je trouve que c'est une très bonne décision, c'est excellent. Le gars est opéré pour la gynécomastie. Le gars qui l'entraîne, c'est ça. Je vais recommencer. Le gars lui prescrit des anti-aromatases, mais le gars est opéré. Bon, par prévention, ouais, mais il faudrait peut-être justement... tu sais, quand on n'est pas sûr, on y va avec une tablette aux 3 jours, une tablette aux 4 jours, une tablette aux 2 jours, une demi-tablette aux 2 jours, une demi-tablette par jour, puis on regarde comment le sujet se sent. Y es-tu lourd? Y es-tu pesant? Y manque-tu d'énergie? Bon, etc., etc. Ça peut vous donner un petit peu une idée. Je dis pas que c'est mauvais. Par prévention, c'est bon, mais encore a-t-il fallu que quelqu'un développe des problèmes ou en aille ou soit sensible à ça? Bon. Le gars, j'ai eu des problèmes, fait opérer. Il a réglé son problème. OK. Puis j'ai dit au gars, j'ai dit, l'HCG, tu le doses à combien? Il dit, le quoi? Il savait même pas de quoi j'y parlais. Bon, alors là, mesdames et messieurs, chers auditeurs ici au show du pro, je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, et un instant, pardon, ici, on va se le dire tous ensemble. Esti du cornet, là. OK? J'en vois plein, là. Il y a plein de gars qui débarquent dans mon bureau, là, il y a partout au crin que ça marche plus. Là. Ouais, madame est pas contente. Lui non plus est pas content. Et il arrive sur le bord, ça tient pas, là. Ah, je comprends pas, là. 3 jaunes plus tard, 2 bleus, là, il se passe rien. Chris, es-tu excitante, ta femme? On va commencer là, là. C'est sérieux, là. Tu sais, si t'as l'impression de fourrer un terre-plein, là, c'est pas bon, là. C'est pas ça que ça prend, là. Tu sais, elle fait quoi? Je sais pas, moi, elle se mange chez nodes, si, elle se vire-tu en beau. T'as fait quoi? Tu sais, si elle se couche, puis là, tu sais, comme un épave, c'est sûr que bon. Puis vous en parlez, vous. J'ai des gars, des fois, qui me disent ça. Hein, tu sais, comment est-ce que c'est? Tu sais, comment est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais tant que ça d'extraordinaire, toi, tu sais, pour cabouille? Qu'est-ce que tu fais tant que ça pour que ce soit merveilleux? Arrête-toi. Tu sais, ça marche des deux bords. Hein, tu sais, c'est un sport d'équipe, ça, là. C'est bien important, là, OK? Donc, en tout cas, du moins, ben, il me disait que la taille des testicules avait vraiment rapetissé. Après 15 semaines de testo et d'entate, 700 mg par semaine, c'est sûr que les chenolles sont pas en train de te grossir. On va te le dire tout de suite.
Donc, j'ai dit, il faudrait corriger là-dessus. Alors, moi, la HCG, vous le savez, je travaille toujours avec ça. J'ai travaillé avec le Masteron, hein, le Drostanolone. J'adore le Masteron. Fait des physiques très rigides, secs, crocheux. J'aime bien travailler avec ça. Et j'en ai déjà dans mon Insanity. C'est pour ça que je suis allé rechercher la même molécule. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, j'ai fait quelque chose aussi qui n'était pas commun pour moi. J'en avais une bouteille en backup, puis je voulais l'utiliser. Je trouve ça, une fois de temps en temps, je trouve ça le fun. Le stanozolol injectable, 30 cc de Winstrol V, 100 mg par cc. Bon, parce qu'il faut que tu sois assez habile, tu sais, pour t'injecter ça, on s'entend, là. Moi, souvent, j'y vois plus au niveau des épaules. Tu sais, le bras à côté comme il faut. Nettoyer, un tampon, deux tampons d'alcool. Je prends toujours la seringue et quand je l'enligne directement sur le muscle, ce que je vais faire à ce moment-là, tu sais, j'y vais pas comme ça, là. Tu sais, j'ai pas envie de pogner la tête humérale, tu sais, faut pas être cave non plus, là. Tu sais, tu y vas dans le muscle. Tu sais, de toute manière, assez de viande, c'est correct, c'est beau. Tu sais, on parle pas de quelqu'un qui sort d'Auschwitz, tu sais, on parle de quelqu'un qui s'entraîne. Donc, sur le côté, tranquillement, on a vraiment une aiguille d'un pouce, on rentre. Et niaisez pas, parce que le stanozolol injectable, c'est des cristaux. Fait que la minute que vous avez pris votre bouteille, vous ne faites pas ça avec, vous la roulez dans vos mains, jusqu'à temps que ce soit parfaitement décanté. Quand c'est fait, on rentre la seringue, on tire à peu près 1.5-2 cc, on repousse, on rentre, on repousse, on rentre, on repousse, on tire, on remet un cc, cling, elle est prête, gardez-la avec le bec par en haut, gardez le dard vers en haut. Et là, ça se fait d'un coup sec. OK, parce que là, c'est déjà nettoyé, on s'installe, clic, pouf! Faut y aller là. Sinon, ça colle dedans, c'est fini. C'est le seul désagrément un peu du genre d'injection parce que c'est un produit qui est aqueux, mais ça donne vraiment de l'énergie. Sérieusement, ça donne du torque. Je déteste pas travailler avec ça une fois de temps en temps. Je suis pas un fanatique de ça. Mais une fois de temps en temps, je trouve que c'est un produit qui est intéressant, surtout que là, ce qu'il fallait que je fasse, c'est mon chirurgien m'a demandé de perdre du poids pour être capable de m'opérer puis faire une plus belle job. Alors, j'étais à 224 quand je suis allé le voir et j'étais à 214 ce matin. Donc, pour un gars qui n'a pas de poids à décoller et j'ai rien sur le corps, je pense que là, on va avoir du jeu. On devrait être correct. Donc, le V a servi à ça, découper, etc., donner de l'énergie, brûler de la graisse. Super intéressant. J'ai travaillé aussi avec le Boldenone, OK, du Boldenone à 200 mg. J'ai travaillé aussi avec ça. Augmente l'appétit, synthétisation des protéines, etc. Produit qui est relativement dynamique à travailler. J'aime bien, puis c'est un anabolisant un peu. On s'entend, si on regarde dans tous mes produits, là, j'ai un anabolisant, deux anabolisants, j'ai bon, le 2-2-2, le Masteron, c'est le même 2. J'ai 3 anabolisants, 4 anabolisants, 5 anabolisants, 6 anabolisants. Alors, on a pratiquement que ça. Et j'ai fait quelque chose de fantastique parce que j'ai un de mes contacts en Europe. Je vais l'appeler comme ça, c'est M. Bordeaux. Je vais le dire comme ça parce que vous connaissez pas ce gars-là, vous savez pas c'est qui. Lui, il se promène des fois un petit peu partout. Des fois, il s'en va en Roumanie. Si je me trompe pas, ben, je fais toujours l'erreur entre les deux. Là. Alors... Oui, en Roumanie, c'est Budapest, puis en Hongrie, c'est Bucarest. Excusez-moi, je me suis peut-être trompé, mais en tout cas, il me semble que c'est ça. OK, il me semble que c'est ça. Donc, quand il descend là-bas, à Budapest, il est capable de me trouver du parabolant. Il y en a là-bas. Donc, il m'avait envoyé 30 fioles de parabolant, puis je les ai tout simplement splittées avec un de mes chums. On en a fait une quinzaine chacun. C'est une forme de trenbolone. Moi, j'adore. C'est vraiment mon meilleur. C'est mon meilleur. C'est le hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone. On peut doser à 3 fioles par semaine. Standard, honnête, 76 mg test laboratoire. Moi, je préfère à 2. Surtout avec tout le panel que j'ai, à 2, c'était correct. Puis c'est vrai que c'était correct, OK? 2 par semaine. Puis ensuite de ça, je vous dirais, j'ai pris du primo. Le primo. Bon, parfait, yes. Ça fait rire, les culturistes. Ça fait boule que les athlètes. Et ça vous met en shape tout le reste de l'année. Ça fait rire, le primo. Ouah, 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 le primo. Ouah, 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 rire, le primo. Hein, ben, je vous en fais une bonne, hein, cette semaine. Parfait. Alors, c'est la toune du primo. Alors, fantastique. Alors, oui, j'ai pris le primo, comme d'habitude, et je vais vous donner mes posologies après. Et j'ai finalisé tout ceci post-training avec de la cardarine GW5516. Ouh, méchant panel de stuff. OK, parfait, c'est bon. Donc, du moins, je vous dirais avec ça, si vous venez pas à bout d'avoir une shape, ben écoutez, lancez-vous peut-être dans les sports de dard ou de billard ou peut-être au golf parce que vous y arriverez jamais. On s'entend là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un 8 semaines. Premièrement, je peux pas faire plus longtemps. Puis deuxièmement, je vous dirais trop longtemps, la pression artérielle se fait monter. C'est pas bon. Ça débalance le cholestérol, donc on fait toujours attention. Et avant ce cycle-là, on avait pris environ 12 semaines de break. On avait complètement arrêté. On avait arrêté, je pense, à mi-novembre. Mi-décembre, mi-janvier, c'est... Ouais, c'est à peu près ça, voilà. On a commencé à peu près à mi-février. 12 semaines off arrêtées, on a recommencé...
C'est incroyable ici, mesdames et messieurs, ce que ça a fait. C'est vraiment là que ça s'est passé. On n'a pas eu de misère à sentir ce qui s'est produit, je vous le jure. OK? Première semaine, ça a décollé. Boum! Allez! Senti, ça a été instantané. Fantastique. Tu sais, vraiment, je pense que des fois, il faut s'éloigner un peu pour être capable de faire en sorte que les capteurs deviennent plus sensibles. Hein, c'est intéressant. Voilà. Donc, je vous donne chacun de mes produits et je vous dis ce que j'ai fait. J'ai fait le test 400. Je ne voulais pas avoir nécessairement un taux de testostérone trop élevé. Moi, je roule déjà à 400 mg. Donc, quand moi, je fais le test sur mes prises de sang, 400 mg sur le testo libre calculable, je me trouve environ à 890-900 environ. Je pourrais aller jusqu'à 1000. OK? Ben, je peux vous dire une chose. Je suis monté à 600, puis 100 de sustanon dans mon blend que j'avais dans mon Insanity, ça me fait 700. À 700, je suis monté à 990. Et j'avais prévenu mon médecin, puis j'avais prévenu mon infirmière, Mélanie, qui est une soie, vraiment. Là. J'avais dit, je te le dis, là, je suis pas à 400 mg, je suis à 700. OK, donc, il va y avoir une variation. Donc, d'habitude, comme je vous dis, je suis plus 850, 880. Puis là, je passais à peu près d'à peu près là jusqu'à à peu près 980, 990. Fait que tu peux dire, OK, à 300 mg de plus, on a vu la différence. Ouais. Donc, si j'avais voulu vraiment faire une différence marquée, il aurait fallu que j'aille peut-être, à mettons exemple, à 1000, 1100. Là, vraiment, j'aurais défoncé le 1000. Parce que 1000, c'est pas mal le maximum acceptable. Tu sais, quand t'es à 1000, là, je te dirais, en testo libre calculable, t'en manques pas. On te le dit tout de suite. OK? Bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les 5 premières semaines, j'ai fait 1,5 cc par semaine de test 400, donc ce qui nous donne 600 mg. Et la 6e et la 7e semaine, je suis descendu à 400. OK? J'ai fait 8 semaines. Ensuite de ça, le Insanity, ça, je me suis pas cassé la tête parce que ça, ce que j'ai fait 1 cc par semaine pendant 8 semaines. Je ne l'ai pas dosé. Je ne l'ai pas monté plus que ça. Ça, je trouve que c'est un produit qui est très, très, très interactif, qui est très bon, qui est très original, qui est très efficient. J'ai monté des gars avec ça ici. OK, des gars qui lui ont donné juste du Insanity avec un peu d'oxandrolone. Boum! Il s'est passé quelque chose tout de suite, ça a été instantané. Très anabolique, très bon, très dynamique comme produit. Vraiment, le rapport qualité-prix est là et on a un résultat. Évidemment, on mange, on dort, on s'entraîne, mais on a un résultat. Donc, je suis pas allé en haut de ça. Je trouvais que j'en avais en masse. Ça me donnait un petit additif de 50 mg de nandrolone par semaine, 50 mg de masteron et 100 mg de blend sustanon de plus. Alors, je roule toujours à peu près l'équivalent, je vous dirais, de entre 500 de testostérone maximum par semaine et l'équivalent d'environ, je vous dirais, 700. Alors, entre 5 et 700, c'est à peu près là qu'on se situe. Okay? C'est pour ça que sur le testo libre calculable, sur la prise de sang, ça n'a pas monté tant que ça. Voyez, c'est vérifiable et observable. On vous donne des données qui sont vraiment authentiques. Et là, vous êtes capable de voir que vos produits fonctionnent pour de vrai. Et qu'est-ce qu'ils font? OK? C'est important de se donner du suivi et d'être professionnel. OK? Bon, le Remidex, je vous l'ai dit, je m'étais mis une tablette aux 3 jours à partir de la 3e semaine. Je me suis ramassé à en prendre une ou deux par semaine. J'ai fait ça 2-3 semaines, puis à un moment donné, j'ai vu qu'il se passait rien, fait que j'ai fait « OK, c'est beau, on abandonne ». Mais du moins, je vous le conseille toujours, si vous êtes plus sensible à ça. Moi, je commence toujours avec des posologies qui sont plus légères. Par exemple, une par 3 jours. Ça commence à vouloir gratter une par 2 jours. Ça gratte un peu, OK, une par jour, là, ça va arrêter. Si jamais, des fois, à un moment donné, on a un problème, on fait de la gynécomastie, on voit tout de suite qu'il se développe de quoi. J'ai deux de mes gars avec qui je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. On y va avec le letrozole. Femara. Ça, ben, vous jurez une affaire, ça te fait fondre une glande, ma mère, mon ami. Salut, il y en a plus. OK, vous faites pas ça longtemps, là. OK, je vais peut-être même monter mes gars des fois, exemple, mettons, à, tu sais, genre, 5 et 9 mg par jour. OK, c'est assez majeur, là. Mais je fais pas ça longtemps. OK, je vais peut-être le faire environ à, je dirais, entre 8 et 15 jours, mettons, là, tout dépendant de la gravité, tout dépendant du résultat qu'on veut obtenir. Dans la minute que ça s'est vraiment résorbé, on coupe, on arrête. OK, c'est vraiment juste de recalibrer. OK? Le HCG, moi, je suis un gars de 51 ans, c'est 2000 unités par semaine. Je vous dirais, si j'avais eu d'affaire à un gars de 25 à 35 ans, j'aurais peut-être travaillé plus dans le 500 units. Si j'avais eu d'affaire à un gars de 35 à 45 ans, j'aurais peut-être travaillé du 1000 units. Si j'avais travaillé avec un gars de 45 à 55 ans, j'aurais peut-être travaillé avec du 1500. Moi, j'étais un vieux de la vieille, 2000. Ça fait partie de mon traitement, mais c'est à peu près mon range, OK? Ensuite de ça, je vous dirais ce que j'ai fait. J'ai rajouté le masteron. 1 cc par semaine, c'est un propionate, c'est du 100 mg. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais 1 cc, non. Je le divise en deux fois dans ma semaine, 0,5. J'en ai déjà dans mon Insanity.
Fait que j'ai 150 mg par semaine de Masteron. Ouais. OK. C'est pas beaucoup. Non. Je vous l'ai dit, c'est un cycle qui est multipharmacologique. Un petit peu de tout. J'ai jamais eu un feeling comme ça. J'ai jamais eu des pompes comme ça. J'ai jamais eu une libido comme ça. Je me suis jamais aussi bien senti. J'ai jamais eu autant de résultats de découpage, de remplissage depuis plusieurs années. Quand j'ai fait ça, j'ai fait « Wow! Quelle belle idée! » Ouais, j'ai dit ça, c'est moins corrosif, c'est intéressant puis c'est fonctionnel. Alors, au sein du pro, on vous amène l'idée tout simplement parce que je pense qu'après l'avoir testé, ça vaudrait peut-être la peine de regarder ça de plus près. C'est pas dans le surdosage que l'on trouve des résultats, mais dans la multiplicité potentielle et systémique à l'intérieur du corps de ce que sont les anabolisants. Okay? Ensuite de ça, bien, j'ai mon Winstrolvé à 100 mg. Ça, je vous dirais ça, c'est le lundi, mardi, jeudi, vendredi. 1 cc, c'est 400 mg de V par semaine, c'est correct. C'est pas mauvais. Hein, si tu calculais que tu ferais 50 mg par jour, 5 jours semaine, ça ferait 250 mg. Je suis à 400. Tu dis quoi? Je l'ai senti. Bien comme il faut, OK? Très intéressant comme... Une fois de temps en temps, rarement, ça assèche les tendons, ça met beaucoup de DHT au niveau de la prostate. T'sais, on s'en rend compte dans notre urine, c'est beaucoup plus foncé, etc. Le corps se corrosionne, OK? Mais vous le faites pas pendant 100 ans. T'sais, je l'ai fait pendant 1, 2, 3, je l'ai fait pendant 6 semaines. Pas plus, OK? Ensuite de ça, le bol d'Enone 200 mg... OK, ondecyclénate. Je l'ai fait à 2 cc par semaine pendant 8 semaines. Pas plus. 400 mg de bol d'eau okay, par semaine. Ensuite, j'ai fait le parabolant. 76 mg par fioletèche. J'en ai fait 2 par semaine. Ça, j'ai fait 2 par semaine pendant 7 semaines. La 8e, j'ai gardé une fiole seulement. On ne dépasse pas ça. Trenbolone, on ne dépasse pas 8 semaines. À moins que vous vouliez vraiment développer des problèmes de pression, de tension artérielle, de cholestérol, des problèmes de santé. Tu sais, comme un gars qui fait une préparation de championnat 16 semaines, puis qui prend genre 1 gramme de traîne par semaine, ben moi, vous dire une affaire, après 16 semaines, oui, elle traîne à terre. Ouais. Ah, il est bien bon, le gars, en avant, il faut plus rien. Tu sais, moi, je peux vous dire une chose. Le jour où l'homme a perdu sa masculinité, son 19 pouces de bras, excusez l'expression, je vais être direct, il s'en calisse. OK? Parce que tu n'impressionnes plus personne. OK? Et surtout pas ta femme, c'est encore plus gênant. OK? Tu sais, c'est important d'être masculin. Ce qui est masculin attire ce qui est féminin. Ce qui n'a rien à voir avec les Christy de cochonnerie que vous voyez de ce temps-ci, là. Hein? Avec les trans, là, puis les drag queens, là, puis... Tu sais qu'on essaie juste de rire de vous autres, puis de vous humilier, puis de vous choquer. Il faut que vous soyez conscient de ça. Ensuite de ça, je suis allé avec le Primo, 400 mg par semaine. Dosage qui est toujours très bon pour moi. J'aime bien travailler avec ça. J'aurais pu le faire à 300. Je suis fan de Primo. Donc, j'aime bien le travailler très, 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 très anabolique. Donc, j'aimais bien travailler avec ça. Et j'ai gardé dans mes 5 dernières semaines de cycle le GW5516, qu'on appelle la cardarine. Et étrangement, ce que j'ai fait, je l'ai fait post-training. Il y a du monde qui me disait, ah, ouais, tu fais ça après l'entraînement. Oui. Le corps est HS. Donc, c'est là que t'en profites. Et j'y vais toujours avec le pré-workout standard classique. J'y vais toujours avec 1500 mg de créatine. Celle-là avec laquelle je travaille, c'est un pH buffer. Voyons. C'est de la créalcaline, OK, de EFX. Alors, j'y vais à 1500 avant, 1500 après. 10 grammes de citrulline avant de commencer le training. Un scoop de carboline. Un scoop de BCAA. Là, je pars, puis j'ai 2 à 3 grammes de sel de mer himalayen dans ma bouteille. Les gens me demandent tout le temps, pourquoi du sel de mer himalayen, M. Grondin, en particulier? Pourquoi? Parce que le sel qui sort de la mer est exposé à l'eau. Le sel qui sort, exemple, qu'on appelle le sel rose himalayen, sort du sol. Il n'a pas été imbibé par l'érosion et par l'humidité. Donc, son potentiel de contraction et de sodium à l'intérieur est excellent et il n'est pas taxant pour le métabolisme. C'est pas la même source, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on travaille avec du sel himalayen. C'est pour ça, OK? Donc, ça, c'est ce que je prends avant. Je pars, je fais mon training, je fais toute ma job. Quand je divise mes injections dans ma semaine, je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi. OK, ça, pour moi, c'est correct. Le HCG, je le garde toujours le mercredi et le vendredi. Le mercredi et le samedi. Puis quand je suis en TRT puis j'arrête mon cycle, c'est 400 mg de testostérone par semaine et j'y vais toujours sous-cutané, directement sous la peau, en injection. J'y vais toujours avec des 0.5. Donc, je vais faire 100 mg 4 fois par semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pourquoi? Parce que le taux sérique est toujours égal à l'intérieur du corps, prise de sang à l'appui.
OK? Comme ça, je garde une libido qui est toujours vraiment, toujours relativement très bonne, une cognition puis un bon sommeil. Puis je peux vous dire une chose, de la manière que j'ai monté ce cycle-là, je me lance pas de fleurs, mais je suis excessivement content parce que non seulement il a été payant puis il a bien fonctionné, mais je peux vous dire que le feeling que vous avez avec celui-là, il est vraiment impressionnant. Alors, c'est toujours très simple. On travaille toujours avec le test 400 à 600 mg par semaine. On travaille toujours avec le Insanity à 1 cc par semaine. On travaille toujours avec, dépendant des âges, entre 500 et 2000 units de HCG par semaine. Masteron 100 mg, 1 cc par semaine. Winstrol V injectable en solution aqueuse, 400 mg par semaine. 400 mg de bol d'eau par semaine. 150 à 200 mg de parabolant par semaine, 400 mg de primo par semaine et 1 ml de cardarine post-training pour l'effet anticatabolique. Alors, c'était ma capsule pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dirais, c'est le compte-rendu de ce que j'ai fait dans les 8 dernières semaines et de ce que j'ai accompli dans la salle. Ce que j'avais à vous dire au début de la capsule est la suivante, c'est que la capsule est live aujourd'hui du 3055 Boulevard Hamel, local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym de la région de Québec, où est-ce qu'on s'entraîne pour de vrai, on pratique un vrai sport qui s'appelle le bodybuilding et le culturiste, et qui est un gym qui est ouvert à tout le monde. Et je vous annonce aujourd'hui que ce gym-là arrête ses opérations le 1er mai, et que je remercie de tout cœur tous les membres, tous les gens et tous les adhérents qui sont venus chez moi, tous les gens qui m'ont encouragé, et je remercie par le fait même le gouvernement du Québec, et je leur crisse un hostie de rince et une volée, puis je vous calisse un doigt dans le cul profond, surtout toi, mon hostie de sale à Legault, mon crisse de petit voleur de tabarnak, parce que notre industrie, vous l'avez brisée. C'est ce que vous avez... Le gouvernement m'a volé ma business. 2016, mon commerce a ouvert et il ne fait que lever, monter, il s'améliorait. Et on s'en allait à l'efficience et on allait réussir. Ce commerce-là, il était viable, il était bon, il était fonctionnel. Le gouvernement est venu nous le voler. Hein, il nous a envoyé les petits chiens de garde, ici, de la Louvre DSS à Geneviève Guilbeault, pour nous envoyer des amendes au travers de la gueule, etc. Je vais vous dire une chose, ça a été un 3 ans de délire que je ne veux jamais revivre. Et la raison pour laquelle je ferme le gym, je ferme pas le gym parce que le gym est pas viable économiquement puis le gym, il performe pas. Je ferme le gym parce que je quitte la province de Québec à tout jamais. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a écrit au début de l'année qui m'a dit « Ah, tu passes ton temps à bitcher après Legault, après Trudeau. » Ouais. Alors, ma réponse, je vous la donne aujourd'hui, cher monsieur ou cher ami qui m'a écrit, là, je vous la donne, ma réponse, aujourd'hui. Vous voulez savoir ce que je m'enligne pour faire? Je quitte le Québec à jamais, parce que le Québec de François Legault est un mode de vie communiste qui me fait vomir. Avec du transport en commun communiste, avec de l'hydroélectricité communiste, avec des écoles communistes, avec des systèmes de routes, avec des plaques d'immatriculation, avec des hôpitaux, avec tout ça sous le même régime communiste. Toujours la même chose. Toujours ce qu'on appellerait le fait étatique de la chose. Alors, le Québec, je peux vous le dire personnellement, c'est ma pensée, c'est ce que je crois. Je crois que le Québec ne se relèvera jamais de la dette qu'il a contractée à ce jour, qui est de 450 milliards de dollars que François Legault nous a mis dans le trou. Jamais les Québécois, aussi paresseux soient-ils, vont être capables de se relever de ça. Et parce qu'ils sont dans un déni social et qu'ils croient fondamentalement que tout ça, c'est fini, c'est derrière nous. J'ai des bien mauvaises nouvelles pour vous autres. Moi, personnellement, j'en ai assez vu. Et j'en ai tellement assez vu que je vends ma voiture, mon commerce, ma maison et je crisse mon camp. Je m'en vais. Moi et ma femme, nous quittons le Québec à jamais et jamais nous n'allons revenir ici. Jamais. Peu importe où ce que je m'en vais, ça n'a pas d'importance. Sachez une chose, par contre, c'est que j'ai apprécié beaucoup de faire mon travail ici au Gym Olympe. Je l'ai bâti, je l'ai construit, je l'ai fondé, je l'ai monté, je l'ai amené à son maximum. Mais c'est pas parce que je suis une personne qui sait pas bien faire son travail, c'est parce que l'État a fait en sorte de tout briser. Et ce qui s'en vient comme vague en ce moment, les restaurants, les hôtels, les bars, les événementiels, la construction, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est la raison pour laquelle on quitte le Québec, c'est que l'économie ici est en train d'être une décrépitude totale. Et on ne pourra pas ici faire de la business, à moins d'avoir quelque chose d'essentiel. Hein, vous êtes dentiste, vous louez des appartements, vous êtes croque-mort, vous coupez des cheveux, vous avez une épicerie.
C'est toutes des choses que le monde n'a pas le choix de passer chez vous. Ils n'ont pas le choix. Si c'est pas ça, c'est une ville de fonctionnaires ici. Hein? Puis on achète des fonctionnaires parce qu'on s'achète des votes. Hein, des petits fonfons. Hein, des petits fonfons comme un de mes chums qui est policier à la Sûreté du Québec. Que la dernière fois qu'il m'a vu, il m'a dit « Ben, pour qui voter d'autre que François Legault? » Hein, parce que François Legault, il paye ses 2 mois de vacances par année, puis sa maison à Belleuil à 700 000, dans laquelle il a installé à Belle-Mère, puis il a fait creuser une piscine à 25-30 000, puis il a une fifth wheel à 15-20 000, puis il a 150 000 piastres de troc estide en cours pour les déplacer, puis il a 15 000 piastres de skidoo l'hiver pour aller s'amuser, puis il a ses mois de vacances qui sont payés, puis il fait 200 000 par année avec son temps supplémentaire. Ce gars-là, la vie pour lui est fantastiquement merveilleuse. C'est François Legault qui lui paye sa vie. Fait qu'il ira pas vous dire que ce gars-là, c'est un pas bon. Hein? Puis quand on sait qu'Éric Duhem, il a eu autant de votes que le Parti libéral, mais qu'il a même pas le droit d'avoir une balle de toilette remplie de marde à côté d'un container à vidange dehors à l'Assemblée nationale dans le parking, je peux vous dire une chose. Si vous pensez qu'on est en démocratie, je vous conseille aujourd'hui de vous pincer très fort et de revenir de votre monde de licorne et de vous réveiller. Alors moi, je t'en éveille comme plein des centaines de personnes que je connais et c'est la raison pour laquelle nous quittons. Ce qui est bien important, par contre, que vous sachiez, c'est que mon bureau va rester actif et je continue à faire mon travail d'entraîneur et mon travail de coach. Je vais faire le coaching à distance avec toutes mes gens en Europe, partout, avec tout le monde. Je vous annonce que Marc-Antoine Grondin n'a pas fini de faire son travail avec ses athlètes. Je suis toujours là pour vous. Je donne le même service. Je m'occupe de tout le monde. Je réponds aux courriels. Marc-Antoine Grondin est l'entraîneur par excellence et je fais mon travail. Je ne suis pas gêné de le dire. Je suis reconnu mondialement comme étant un des meilleurs entraîneurs de la francophonie. Je ne suis pas gêné de le dire. C'est parce que je n'amène pas des pompons en championnat. Non! Parce que moi, j'aide les gens à être en meilleure santé. Je corrige leurs problèmes biomécaniques. Je fais en sorte qu'ils soient performants, qu'ils fondent des familles, qu'ils aient des bonnes santé et que ce soit des gens qui soient heureux et fonctionnels. C'est pour ça que je suis un des meilleurs. Voire peut-être le meilleur. Puis je suis plus gêné de le dire. Parce que je regarde tout ce qu'il y a autour de nous autres ici au Québec, là. C'est de la crap! OK? Il n'y en a pas de relève ici. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Allez dans toutes les gyms, puis alors regardez ce qu'on vous propose. Hein, on vous propose des gyms de merde, à des prix de merde, avec des entraîneurs de merde, avec des machines de merde. Hein, on vous propose quoi? On vous propose de la cochonnerie. Hein? Fait que moi, je vais être bien franc avec vous. Moi, quand je regarde tout ça, et je le dis avec beaucoup de respect pour les gens de mon industrie, là. Ces gens-là, malheureusement, sont des scavengers qui vont attendre que des gens comme moi meurent pour ramasser des abonnés, pour rester vivants. Parce qu'ils sont pas encore assez bons pour s'en faire des abonnements. Puis vous avez pas compris ce qui arrive. Ici, vous êtes au palais de la gratouille. Fait que les gens, ils vont aller chez World Gym à 39$ par mois au lieu de se payer des gyms à 80$. Parce que c'est cher! C'est cher! C'est pour ça que nous autres, on calisse notre candidat. Ça me dérange pas de payer un gym 100$ par mois, moi. Moi, on va aller vivre dans des endroits où le monde performe, font de l'argent, font leur vie, puis qui sont pas dans un délire collectif. Ça, c'est bien important. Alors, Marc-Antoine Grondin fera son travail. Marc-Antoine Grondin est toujours votre entraîneur. Marc-Antoine Grondin est professionnel. Il va faire son travail avec vous. Je suis rejoignable toujours au info@commercialmarcantonegrondin.com, sur mon site au www.marcantonegrondin.com. Mon téléphone, ben écoutez, mon téléphone personnel, ça, moi, je le donnerai pas à tout le monde. Bon, celui qui a affaire à l'avoir, vous l'aurez. La meilleure manière de me rejoindre, c'est le courriel. Hein? info@commercialmarcantonegrondin.com, info@commercialmarcantonegrondin.com. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup, je vous dirais, de comment je pourrais dire, un sentiment d'accomplissement que je vais quitter ma salle et que je vais dire bonne chance à tout le monde au Québec et que je vais vous souhaiter le meilleur à tous. Moi, je vais aller ailleurs, je veux retourner en compétition, je veux me faire une tête, je veux me redévelopper, je veux retrouver ma vie, je veux retrouver ma joie de vivre et je ne retrouverai jamais ça dans le trou de cul du Québec de François Legault. Jamais. Et je n'encourage plus cet escroc-là à me voler. C'est fini. On s'en va. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Pour nous rejoindre, toujours le même principe, l'info commercial, marcantonegrondin.com. Et nous sommes facilement rejoignables encore jusqu'au 1er mai au 418-204-8246. Le 418-204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région médiatique de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le but prioritaire est de croître sans se voir mourir ou de viser l'ascension sans déception. Oh boy! All right. Alors, je vous entretiens la semaine prochaine ou peut-être d'ici 2 semaines parce que j'ai beaucoup de choses à faire, ferme le commerce, etc. Ma maison est en train de se vendre. C'est un gelou. Je suis dans un délire total. Là. Mais je continue à faire mes capsules chez moi. Je fais tous mes trucs et je vais continuer à vous instruire, à vous aider. Puis on va continuer à se donner des nouvelles, puis à être ensemble. Vous m'écrivez. Je suis là. Je suis disponible. Je fais mon travail. Je suis là pour vous. Et je ne m'en vais pas parce que je sais à quel point les gens
qui travaillent bien sont importants pour les gens qui s'investissent. Alors, je suis là pour vous, je travaille avec vous. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà oublié, hein, parce que la devise du Québec, c'est « je me souviens ». Hein? Alors, moi, je vais vous le dire, là. Le journal qui est là, là, c'est un journal qui est en date du 30 octobre 2020. Et regardez bien la pochette qui est là. Regardez-la attentivement. Voilà. Rappelez-vous toujours d'une chose, Marc-Antoine Grondin, le seul entraîneur sur un regroupement de 500 qui s'était dit de se lever, qui s'est levé debout. Je suis le seul propriétaire. Puis là, arrêtez de me parler là, du gars de Ted Fermine ou du gars de, du Thor Gym. Le gars du Thor Gym, là, la police est en train de défoncer son gym. Chris, que j'y parlais au téléphone puis je lui donnais un coup de main. OK? Lui, c'est tenu debout, mais lui, il est en région. Il n'est pas dans une ville centrale comme ici. Puis Ted Fermine, ici, il a fini par s'asseoir puis il a fermé sa gueule. Il est même venu au choix avec moi ici, puis il était gêné tellement que je ramassais le monde. Je suis le seul propriétaire de gym sur 500 gyms qui s'est tenu debout. Mesdames et messieurs, rappelez-vous toujours de ça. Quand le bateau coule, c'est rats qui sortent en premier. Ouais, c'est ça. Puis ceux qui veulent que ça marche, ils gardent le steering dans les mains jusqu'à temps que le bateau accote sur le bord de la plage. Même si tout ce qui leur reste dans les mains, c'est le volant, ils l'ont jamais lâché. Moi, j'ai jamais lâché le volant. Comme j'ai jamais lâché mes abonnés, comme j'ai jamais lâché mon commerce, comme j'ai jamais rien lâché. Rappelez-vous de ça. Vous parlez avec un vrai, un authentique et un dévoué. Votre entraîneur Marc-Antoine Grondin. Au show du pro!